J'ai voulu faire l'informatique, donc des études d'ingénieur, tout simplement parce que je me rends compte que la société aujourd'hui est de plus en plus touchée, impactée par l'informatique. On est connecté dès le très jeune âge et finalement, je trouvais ça dommage que 50% de la population qui sont des femmes ne porte pas ce message et ne participe pas à la création du monde de demain. Et je pense que c'est super important afin de répondre aux besoins de la société, d'impliquer 50% de cette population qui a des besoins qui sont différents de celles des hommes. Mon parcours a commencé par un bac scientifique et j'ai enchaîné sur une prépa et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les bancs d'école c'était plus fait pour moi du tout. J'ai donc rencontré les compagnons un peu par hasard et je me suis dirigée vers un CAP de menuisier en premier lieu parce que je voulais avoir un rapport avec la matière et en l'occurrence une matière noble qui était le bois et je me suis rendu compte que cette matière n'était pas assez souple pour moi. Je me suis alors dirigée vers un CAP maroquinier chez les compagnons. La blockchain, c'est un terme qui peut paraître complexe parce que en fait, ça englobe énormément de concepts très différents. Mais si on veut prendre une image simple, on peut voir ça comme finalement une énorme base de données qui va être maintenue par des ordinateurs connectés entre eux. Et en fait, on peut imaginer ça comme une amélioration d'Internet parce que jusqu'alors, on échangeait vraiment de la donnée alors que cette fois-ci, on va pouvoir échanger de la valeur. Alors actuellement, mon métier consiste à encadrer les directeurs de projets territoriaux de GRT Gaz, c'est-à-dire 41 directeurs de projets qui sont répartis sur cette implantation géographique. Donc si j'ai un message à faire passer à toutes ces jeunes filles qui veulent faire des études d'ingénieur, je pense qu'il est super important de comprendre que la société aujourd'hui a pas mal de stéréotypes de biais ancrés depuis des années et des années et qu'on ne doit pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faut passer au-dessus de ça, casser ses murs et atteindre son objectif et toujours croire en ses rêves, même si ça paraît irréalisable. Il ne faut pas se cantonner aux stéréotypes en se disant que c'est que les garçons qui ont accès à l'artisanat. C'est aussi un métier de femme et ça nous permet de valoriser notre créativité et notre autonomie dans tout ce qu'on peut faire avec nos mains. Travailler dans la tech, ça ne veut pas dire être technicien. Par exemple, chez Sendblock, on recrute des profils en marketing, en communication, qui ne vont pas être des experts techniques d'un sujet, mais qui vont s'intéresser à toutes ces nouvelles technologies et donc qui vont apprendre à nos côtés en échangeant, en apprenant finalement ce nouveau vocabulaire, ces nouveaux concepts. Mais ce qui est important, c'est vraiment la curiosité. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas savoir comme ça en une semaine, en un mois, ça demande du temps, ça demande des efforts. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais ça vaut vraiment le coup parce que ça apporte beaucoup de satisfaction et cette curiosité, cultivez-la et osez. Moi, je ne me suis jamais posé de questions, je ne me suis jamais posé de limites. C'est vrai que dans beaucoup de mes métiers, quand j'étais jeune, on n'était pas nombreuses. Ça n'a posé aucun souci d'intégration. Si on a l'humilité de reconnaître qu'en fait, quand on arrive dans un métier, on a beau être formé dans une école d'ingénieur avec la tête bien faite, en fait, en réalité, on ne sait pas grand-chose. Et c'est plutôt le compagnonnage et les anciens qui accueillent bras ouverts les jeunes et qui les forment. Il n'y a pas d'échec, en fait. C'est soit j'essaye et je gagne, soit j'essaye et j'apprends. Et je rebondis et je recontinue finalement ma tentative. De l'échec et des tentatives successives, on apprend finalement beaucoup plus que de nos réussites.